si on devait vraiment construire un vignoble, on ferait bardeaux, on ferait un amphithéâtre d'argile au perché, donc ventilé au maximum, exposé plein sud, d'argile parmi les plus belles argiles qu'on puisse trouver pour la vigne, posé sur un, ou encastré dans ce socle calcaire. Tous les grands noms de Saint-Émilion, ou quasiment, sont posés sur, sur cette origine géologique. Et on a un sol très mince, donc une grosse contrainte. La vigne, elle va forcer pour faire ses petits, et c'est ce qu'on lui demande de faire pour faire des grands vins. L'argile va chauffer très vite, par contre le socle calcaire, lui, va imposer plus de fraîcheur. La vigne a besoin de stresser, parce que c'est, ce qu'on recherche, nous, c'est une conséquence de ce stress-là. C'est ça qui va faire que la vigne va se transcender pour faire des raisins que nous, on va rechercher pour faire des grands vins. Et les grands terroirs, eux, les provoquent systématiquement. Les caractéristiques techniques qu'on va rechercher pour faire un grand vin, des concentrations en anthocyanes qui sont des antistress, des concentrations en polyphénol qui sont des antistress, des concentrations tout court en jus, des rapports marcheur-jus, etc., qui sont une conséquence du stress, qui vont faire que nous, derrière, on va en faire des grands vins. Si je devais choisir aujourd'hui les propriétés achetées, je ferais le même choix.